Tombe baguille. alors avec le pion numéro 1 jaune, ici le pion numéro 2 orange, le pion numéro 3 rouge. Le pion numéro 1, on va dire bois, le pion numéro 2 vert, le pion numéro 3 noir. Alors ça a de l'importance. Hein. Le but du jeu c'est d'essayer d'emmener ces quatre tours avec le bois, le vert, le noir à la place des autres. Il en faut 4, ces quatre là doivent venir se mettre ici, ces quatre là doivent venir se mettre ici. Alors, un pion jaune ou un pion bois peut se déplacer d'une case dans une case voisine dans n'importe quelle direction, mais il doit tout le temps rester en dessous, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais monter sur un autre pion. Mais il peut sauter une, 3, une tour de trois pions, trois de ses propres pions, ou bien trois pions de l'adversaire, ou bien alors des pions mélangés, à condition qu'il y ait une case libre derrière. Et des sauts en série, comme aux dames, hein, on peut sauter par-dessus plusieurs tours. Le pion orange et le pion vert, ils avancent de deux cases à chaque fois. Alors attention, parce qu'un pas, c'est aussi un changement de hauteur de la hauteur d'un pion. Hein, C'est-à-dire qu'il va pouvoir se mettre sur un pion numéro 1. Par exemple, et il peut aussi se mettre sur un pion numéro 2 de l'adversaire. Il peut se déplacer au niveau inférieur, c'est-à-dire en position de 1, ou au niveau moyen. Le pion numéro 2. Le pion numéro 3 va faire 3 pas, lui. Il est le seul à pouvoir se déplacer tout en haut. Les pions 2 et 3 peuvent à chaque fois changer de direction, c'est-à-dire revenir à leur position de départ. Si on saute un pion sur un pion adverse, il est bloqué. Alors, attention, on doit abandonner ce blocage si l'adversaire n'a plus de pion libre sur la même rangée. Ou derrière par rapport à sa ligne d'arrivée, le pion est bloqué lorsque il se trouve seul en dernière ligne et ne peut plus avancer, même en faisant des pas sur le côté. Il faut lui libérer le chemin. Alors, c'est pas évidemment valable si ce sont des pions de sa propre couleur qui lui barrent la route. Alors, imaginons la configuration où on est des pions comme ceci. Et que ici on est un pion jaune, et eh bien comme il ne peut plus aller de l'avant, et eh bien on est obligé de lui libérer la place. Mais lui libérer la place, mais il faudrait que celui-là par exemple avance de 3. 1, 2, 3. Ou 1, oui, 1, 2, 3. Donc on n'a pas le droit, attention, de bloquer totalement. Un pion clair de l'adversaire. Donc, lorsqu'un joueur a reconstruit trois tours, son dernier pion ne peut être bloqué. Il peut pas être bloqué. Et la quatrième case ne peut plus être occupée. Donc, dès qu'un joueur a par exemple mis ces trois tours, imaginons que les noirs étaient là, ils en ont mis trois. Eh bien, les derniers pions de ce joueur ici, de Fanfan en l'occurrence. Le pion numéro 1, le petit, ne pourra plus être bloqué comme je viens de vous le montrer. Et cette case-là ne pourra pas être occupée par l'adversaire. Et quand un joueur a terminé ses quatre tours, eh bien, il a gagné. Et on va regarder combien de coups il manque à l'adversaire pour terminer ses tours. Donc, on s'installe comme sur la photo, enfin pardon, comme sur le jeu, comme je l'ai installé ici. Et puis, on commence. Alors, noir commence, 1, 2, 3. Rouge, 1, 2, 3. Alors, là, 1, 2, 3, c'est tout à fait possible pour bloquer

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 Alors, hein, les autres pions ne peuvent pas sauter par-dessus. Il hein, n'y a que le pion jaune ou le pion couleur bois, et à condition que ce soit des tours de 3. Alors, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1, 2 1 2 3 Non, il va pas se mettre là, c'est pas intéressant. 1 2 3 1 2 un Lolo, je 1 2

2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Un, 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 oui, parce qu'il faut mettre les jaunes en dessous. Un, un, deux, un, deux, un, deux, trois, un, deux, trois, un, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Donc là, on pas le droit de bloquer celle-ci. 1, car les trois, ah non, celle-ci c'est bon. Donc on peut bloquer celle-ci, mais euh, on décide de bouger. 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 2. Alors on peut hein, ne pas monter sur les autres pions, ça c'est à chacun de voir. Voilà, puis vous finissez la partie comme ceci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.